Alors, t'as vu ce que t'as entendu, ce que Michel Baudry vient de dire, fait dire de mettre la musique un peu moins forte. C'est bien ça. Michel, les Canadiens rendaient visite à la division Patrick en fin de semaine, s'en sont fort bien tirés parce que c'est quand même pas facile d'arracher un match nul au Madison Square Garden, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Et Jacques Demers parlait, Richard, d'un gros test pour le Canadien. Deux parties à l'extérieur. On sait que le Canadien avait eu des ratés en début de saison. Et ça, la performance de Patrick Roy dans le premier match à New York. Contre les Rangers, c'est tout le temps difficile. On voit ici des arrêts spectaculaires de Patrick Roy en première période. Et là, le Canadien est revenu en force en deuxième période pour aller chercher un verdict nul. Et ensuite de ça, bien le match à Philadelphie. Un match important, axé sur l'offensive, 7-6. Et les Flyers qui sont parvenus à presque égaliser le match. Rasico qui était devant le filet. Et on voit Rasico quand même donner de mauvais buts. Et on parle de Rasico ici comme, dans le moment, un point d'interrogation parce que le Canadien se doit d'avoir un très bon deuxième gardien de but s'ils veulent terminer premier. Alors, qu'est-ce que Jacques Demers pense de Rasico? Eh bien, si on l'écoutait. C'est à lui de faire ses preuves. Il est d'une position qu'il se doit de faire ses preuves. S'il fait ses preuves, il joue bien, ça va lui donner plus de matchs. S'il ne fait pas ses preuves, bon, on commence à avoir des doutes. Comme je disais tantôt, on a un problème. On verra le lundi soir à 10h30. Alors, Michel, ce sera le grand test pour Rasico, j'ai bien l'impression, dans le match de lundi. Il faut absolument que Rasico se sente en confiance parce que je pense que Jacques Demers lui démontre la confiance, mais lui, de son côté, il faut qu'il réponde. Et ce soir, par ailleurs, les Lightning de Tampa Bay, c'est une équipe qu'il ne faut pas prendre à la légère. C'est une équipe qui n'accorde pas beaucoup de buts. Et ce sera probablement un match fort, intéressant à surveiller. La saison.